Vega, 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 Vega. Quand l'aventure nous sourit, on est prêt à relever tous les défis. On sait ce qu'il nous reste à faire. Profiter de ce qui nous est offert. Quand on y pense, oui, c'est évident. Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera pas comme les autres, ce sera je tirerai au sort des Pokémon. En tout, il y a 8 petites feuilles où il y a écrit les Pokémon. Donc attendez, je vais passer ça un petit peu. Donc j'en piocherai 5. Et il faut que j'en réussisse à en avoir plus que 4. Et après ces Pokémon, faut que je les attrape. Faut que je les attrape. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait que j'en ai plus que 4. Et donc après les Pokémon peu communs, on devra les attraper en 2 minutes et 30 secondes. Les communs en 3 minutes. Les plus rares en 3 minutes et 30 secondes. Les rares en 4 minutes, les très rares en 5 minutes. Mais les rares et les très rares, nous devrons juste les voir, pas les attraper. Et les inexistants, ils devront être mis en première position. Après qu'on soit allé le chercher dans le PC. Voilà. Ça va commencer. Donc, le premier que j'ai tiré au sort sera, est Scarabrut. Donc c'est un très rare, nous devrons juste le voir. Donc du coup, nous avons 5 minutes. Donc Scarabrut, il est sur la route 12. Donc on va changer de Pokémon sur la carte. Sur la carte, c'est la route 12, parce que je me rappelle plus trop où c'est moi. Nous allons y aller. Et voilà. Donc là, du coup, nous avons 5 minutes. Attendez. Là, j'ai pas encore mis le chrono. Hein. Je mets le vélo et après, le chrono sera mis. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, nous devons nous dépêcher. Hein. Mince. Déjà, si ça commence mal. Là. Non, je sais plus où c'est. Voilà. On approche des 1 minute déjà.
J'espère qu'il faut pas ça. Oh là là, ça commence mal. Bon. Je mets juste stop en attendant parce que le temps que j'aille chercher un Pokémon de type de type eau qui a surf. Alors donc en attendant je vais mettre pause sur la vidéo aussi et après on va se revoir là. Voilà, bah du coup on va faire surf. Faut que je remette le chronomètre. Allez, c'est reparti. Oh non, je coupe le chronomètre. Ah, j'ai pas fait ce combat. Je coupe la vidéo en attendant du coup. Voilà, j'ai fini ce petit combat. Donc allez, c'est reparti. J'ai remis le chrono. Alors on va bien voir si c'est lui. Non, là c'est un Tauros. Là je vais faire les fuites. J'arrive pas à fuir. Là normalement j'arrive à fuir. Je sens qu'on va pas réussir à l'avoir celui-là. Voilà. Ramolos, mais en même temps il est pas là lui. Parce qu'ils sont en train de tous me gêner. Je vais changer de Pokémon très vite là. Allez, ça fait déjà 2 minutes 35. Donc normalement ils sont ici. Pijako. Faut juste qu'on le voie. Et ça fait 3 minutes. Encore 2 minutes. Je pense que c'est faisable en 2 minutes encore. Mais après, il est très rare, donc je sais pas. Si vous voyez un petit peu flou, un petit peu beaucoup, c'est normal, c'est ma DS. Voilà, c'est bon. C'est moins flou normalement. Donc il nous reste encore 1 minute. On va pas l'avoir. Et voilà, c'est fini, donc je suis un petit peu dégoûtée. Et voilà. Bon bah déjà Scarabrut on l'a pas. Et on va passer au prochain. Donc le prochain sera
Farampe. Donc il est dans le PC, nous aurons 30 secondes. 30 secondes, c'est pas énorme. Hein. Donc déjà, bah, faut que j'aille dans la ville. Alors. Donc maintenant, les autres, faut pas que je les rate parce qu'il en faut 4 sur 5. Sinon, ça veut dire que j'aurais perdu le défi. Il y aura d'autres épisodes comme ça. Hein. Je sais pas trop combien, mais il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Voilà. Allez, 30 secondes. Hein. Vu que j'ai plein de Pokémon, faut que j'aille directement dans le PC parce que là, sinon. J'en ai plus de 700, moi. Donc, 3, 2, 1. Attendez. 3, 2, 1, ça commence. C'est bon, j'en ai un. C'est bon. En 14 secondes. Bon, ben voilà. Bon, déjà, on a un défi relevé, hein. Donc j'ai pioché le troisième. Alors le troisième c'est un Flamajou. Il est peu rare, c'est dans la forêt de Nevarto. Donc s'il est peu rare, je crois que c'est 3 minutes... 3 minutes 30, ouais. Donc là c'est 3 minutes 30. Sauf que là maintenant il faut que je capture. Bon, il pleut. Mince, j'ai changé de Pokémon. Bon, Je vais revenir, je coupe juste le temps que je mette la caméra. Et voilà, c'est bon. Donc on a 30 secondes. Dès que je fais vol là, il y a le chronomètre commencera. Donc la forêt de Nevarto, c'est où ça? De 1, ça commence. Alors, oh non. Il reste plus de 3 minutes. Allez. Déjà 1 minute. Chiant parce que la cinématique ça prend quand même du temps. Enfin la cinématique, l'arrivée de notre Pokémon, ça prend quand même 13 secondes le temps de faire la fuite et tout. Hein. Je sens qu'on va pas l'avoir. La malchance est avec nous. Ah, c'est bête quand même.
suis encore désolée si vous voyez pas tout l'écran. Mais j'ai pas mieux que ça pour filmer ma DS. Donc on va faire avec. Normalement il est par là. Ça fait 3 minutes là. Oh non! Ça y est, où? Ah non, ça fait 2 minutes, je suis bête. N'importe quoi, ça fait 2 minutes. Bientôt 30. Normalement, ils sont pareils ici. Hein. C'est bon. En 2 minutes et 30 secondes. Ah ben non, je suis bête, j'ai pas attrapé. Il me reste une minute pour l'attraper. Bon, il est facile à attraper normalement. Parce que c'est un niveau 4 quand même. Voilà, bon bah le défi est relevé. Et on l'a fait en 2 minutes 50. On va pas lui donner de prénom. Je vais voir si on peut faire vol dans cette forêt. Parce que je suis pas sûr. Ah si. On va aller quelque part d'autre qu'ici. Parce que... Donc nous avons une flamme à joue. Il en reste encore deux. Donc, je pioche et j'ai... Alors, faut que j'aille dans le PC. Il faut que je trouve quelqu'un qui a l'attaque Drac au souffle. Et je trouve personne qui l'a, bah... On devra en prendre une autre carte. Parce que Drac au souffle, quand même... Alors, et pour ça, nous avons... Ah oui, j'ai pas pensé aux attaques. Les attaques, je pense que ça doit être 5 minutes. Hein. Donc, 3, 2, 1, ça commence. Oh non, j'en trouve pas pour l'instant. Ah si, je sais où en trouver un. C'est bon. Enfin, faut que je le trouve maintenant. Mince, il est où? Barpo. J'ai un Barpo qui a Drac au souffle, mais je le trouve pas. Et après, faut qu'on le mette en première place aussi. Bon, après, c'est facile à faire. Hein. Barpo. Barpo. My god. Je vais perdre et pourtant, je l'ai dans le PC. Bon, ça va, ça fait qu'une minute trente. Je pense plus que ça serait 3 minutes 30 ou un truc dans le genre. Parce que j'ai oublié de faire ça. Donc Barpo, bah, il va pas être là. Oh, remarque, il y a des Pokémon qui sont pas rangés. Ah, il est là. Et voilà. Défi relevé. Enfin, pas encore. Ouais, on aura 3 minutes 30. Et en 1 minute 50. 5. En 1 minute 55, je l'ai. Voilà. Vous voyez pas très très bien les attaques. Il est Drac au souffle. Voilà, vous voyez là.
je remets comme c'était. Voilà, il a Draco Souffle, Draco Choc et Trompette. Donc bah, le quatrième défi, il est relevé. Et espérons qu'on arrive au dernier. Enfin, qu'on arrive le dernier, parce que... parce que sinon, on aura perdu. Donc, je sors déjà d'ici. Donc... nous avons Altaria. Il est commun, il est sur la route 21. Donc je vais couper le temps que je choisisse un Pokémon entre niveau 50 et 53. Qui va pas le tuer, mais qui va lui faire quand même des dégâts. Et après, bah, je vous retrouve. Donc voilà, donc on va aller dans le... route 21, c'est ici. Donc à partir de... Bah, dès que j'arrive, ça va commencer. Et nous aurons 3 minutes. C'est correct, 3 minutes, mais pour l'attraper, par contre, ça va être plus chaud. Allez, 3, 2, 1, c'est fini. Ça commence, je vais dire. N'importe comment, je dis c'est fini. Normalement, ça va être assez facile à trouver. Ici, il doit y en avoir. Donc ben voilà, on en a trouvé un. Mais il faut l'attraper maintenant. En 20, enfin, en 30 secondes, on en a trouvé un. C'est pas mal. Hein. Donc du coup, je vais faire avalanche. J'espère que ça va pas le mettre KO. Normalement, ça ne met pas KO. Ça l'a mis KO. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, avalanche, ça l'a mis KO. Faut que... On va essayer de retrouver. Pourvu que je réussisse. 3 minutes, c'est pas très... C'est un peu dur, plutôt. 3 minutes... Voilà, on va essayer de... Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je vais faire miroir tir. Normalement, ça va pas mettre KO, ça. On approche des 2 minutes, là. Je vais faire acide armure. Provoque et après je vais essayer de l'attraper. Donc là on va pas faire une, on va faire une rapide ball, tiens. Je sens qu'il va pas rentrer. Je m'en doutais. On va perdre notre dernier. Je vous le dis. On va faire Pokéball. Utiliser. Allez, 2 minutes 57. Je pense pour un Pokémon pareil, il faudrait quand même mettre 4 minutes. Je changerai. Hein. Je mettrai 4 minutes, d'accord ? Parce que là, attraper un Pokémon comme ça, c'est un peu... Sinon, les Pokémon comme ça, on peut juste les voir. Je sais pas, on va voir. On va essayer à 4 minutes, sinon ça va être à voir. Parce que si j'arrive pas à l'attraper, ça serait quand même... Je sais pas.
Donc là on va faire balle glace. J'espère que ça va pas le mettre KO. Il la drague au souffle. Ah, oh, je suis paralysé. Donc là je fais balle glace. Bon ben voilà. Ça ne met pas KO. Je pense que je vais mettre juste le voir parce que là. Voilà, ça fait 4 minutes. Je pense que je pourrais l'attraper à moitié là. Si je l'attrape, on met 4 minutes. Hein. Et on met 4 minutes 30 parce que là, je pense que 3 minutes, c'est juste pour le voir. Ah, j'ai fait balle glace. Ouais, bah, on va juste le mettre pour voir. Ah, il fait plusieurs fois balle glace, c'est pour ça. Ouais, bon, on va mettre le voir, donc je l'ai. Parce que franchement, l'attraper en 3 minutes, c'est chaud. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est chaud. Donc, bah, on l'a vu. Et bah, c'est comme ça que s'achève notre épisode. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve. Soit je refais une vidéo demain. Je sais pas. Soit on se retrouve après mes vacances, c'est-à-dire dans plus d'un mois. Ou environ un mois, je sais plus. Alors, je reviens le 22 août. Donc ça fait même pas un mois. Mais je ferai pas une vidéo le 22. Je pense que si je fais une vidéo, ça serait plus le 24. Et voilà, bon ben on va se quitter. Et j'espère que ça vous a plu. Je sais plus si je l'ai dit. Et ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Ceux qui sont déjà partis, bah, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances. Et voilà, allez, à plus! Tous les défis, on sait ce qu'il nous reste à faire.